Alors, on va parler de meurtre, de crime, de polar aujourd'hui avec Serge Radochevitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien instituteur. Oui. Venu aussi à la littérature. Vous avez écrit deux romans aujourd'hui, deux romans noirs. Oui. Deux polars. Mmh. Alors, le premier, c'était Une ville sous influence. Mmh. Pouvez-vous m'en parler un petit peu de ce livre? Eh bien, c'est une petite ville en Lorraine où il y a des disparitions. Enfin, c'est une disparition de. SDF, mmh. hein, de clochards, et qui sont bien intégrés dans la ville, et ils disparaissent comme ça. Hein, ça Alors Simon Biedic, l'enquêteur, qui est un copain, qui se trouvait là juste là avec son ami, bah, il lui demande d'essayer de les retrouver. Quoi, hein. En fait, ce polar, c'est un policier sociétal, c'est-à-dire, je parle du racisme, hein, du racisme ordinaire, hein, violence faite aux femmes, hein, la drogue aussi, hein, et tout ça, bon, j'ai mixé pour faire quelque chose d'intéressant et qui est un suspense de polar. Voilà, hein. Alors, c'est dans la collection Borderline, hein, aux éditions Territoire Témoin, qui est un éditeur régional, on peut le signaler aussi. Oui, de Malzéville. De Malzéville. Alors, en ce qui vous concerne, les villes sont fictives. Hein, le Verrois, on vient de s'amuser un petit peu parce que on va parler tout à l'heure de votre deuxième roman, Mortel Dessin. Cette bonne ville de Bricourt, voilà. J'ai passé quelques heures à chercher où ça se trouvait parce que j'étais persuadé de la connaître. Eh bien non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors parlons-en de ce deuxième roman. Donc, après Une ville sous influence, vous écrivez de nouvelles aventures. Pour votre héros Simon Biedic, c'est un écrivain, à la fois écrivain et journaliste. Voilà, c'est ça. Hein, qu'est-ce qui lui arrive alors? Il est en pleine d'inspiration, il va enquêter sur des meurtres. Il a été invité dans un salon du livre à Bricourt. Mm-hmm. Hein, et là, il y a aussi, pas une disparition, il y a quelqu'un qui se fait agresser, un notable, et qu'on retrouve mutilé. Hein, mais il n'est pas mort. Hein. C'est simplement une petite mutilation, mais tout le monde se pose des questions, surtout qu'on a retrouvé dans sa voiture un dessin, avec un dessin bizarre qui ne représente rien. Hein. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, eh bien, d'autres dessins vont apparaître dans les boîtes aux lettres. Hein. Il va y avoir une deuxième agression, un deuxième dessin, hein. Et toujours ce dessin se retrouve aussi dans les autres boîtes aux lettres. Alors, ça fait comme un pulse, mais qu'est-ce que veut dire ce pulse, hein? Alors, tout doucement, eh bien, une troisième agression et un meurtre. Hein? Et puis, il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables de quelque chose, évidemment, quand on reçoit. Hein, c'est comme une lettre anonyme, hein, c'était ça. Alors, il y en a qui se sentent coupables, il y en a qui s'en foutent complètement, hein? Et il y en a qui se sentent coupables jusqu'à aller au suicide. Hein? Donc, la ville est vraiment. Le bordel complet. Mmh. Hein? Et tout doucement, ils vont retrouver la trace de ce qui s'est passé. Ça s'est passé il y a 20 ans, une agression. Hein? Je ne veux pas dévoiler tout, hein? Évidemment. Une agression, quelqu'un qui l'a subi, qui l'a vu, quelqu'un l'a subi, qui est revenu pour demander des comptes. Voilà. Alors, c'est très étrange, vous étiez instituteur de la région de Longwy, enfin, vous avez fait toute votre ville-rue Longwy, Briey, je voulais dire Briey, vous avez fait toute votre carrière dans l'enseignement, on aurait pu s'attendre à ce que vous orientiez vers la littérature pour enfants, et c'est le polar et les histoires noires qui vous... Pourquoi ce choix Bien parce que, à mon avis, le polar peut... on peut tout faire avec le polar et surtout parler de la société actuelle. Hein. Mais tous les polars parlent de la société. Hein. Ça permet aussi peut-être de s'intéresser à la psychologie des gens, parce qu'on doit être un petit peu psychologue aussi, comme un instituteur. Un petit peu de la psychologie, évidemment, mais surtout des faits de société. Hein. Si vous regardez les polars nordiques, ils parlent de la société, évidemment. Hein. Même Agatha Christie, il n'en parle pas beaucoup, mais quand même un tout petit peu. Est-ce que vous inventez vos histoires ou est-ce qu'il y a une trame de vérité, quelque chose À part le fait de société, que je pense toujours quelque chose qui existe, et qui a existé, tout le reste, c'est invention. Hein. C'est le scénario, c'est de l'invention. Alors, vous avez fait un passage par le théâtre aussi, dans quel cadre? Quand j'étais jeune, quand j'étais à Toul. Sur des choses que je savais piocher un peu partout sur. Oui, oui. Eh ben, j'ai,
j'étais au TPL en tant qu'élève de collège de Toul, hein, avec des... Bon, TPL, Théâtre Populaire de Lorraine. Oui, Théâtre Populaire de Lorraine, on a fait 2 saisons avec le Théâtre Populaire de Lorraine, bon voilà, hein, ça, c'est tout. Hein, bon, hein. D'accord, donc... J'ai pas continué. Hein. Je peux dire que mon frère, lui, il a continué, il est devenu comédien professionnel. D'accord. Un prochain ouvrage en vue, donc après ce mortel dessin paru chez aux éditions Territoires Témoins, après Une ville sous influence également. Vous avez... non, alors j'ai arrêté le polar, je prends un autre genre. Hein. J'ai pris un héros qui a eu un accident de voiture et qui perd la mémoire. Ça arrive tout le temps, hein, ça. Mm-hmm. Mais sauf que lui, il est très content d'avoir perdu la mémoire. Parce qu'en se souvenant de qu'on lui raconte de ce qu'il était avant, ça ne lui met pas trop. Hein. Alors il préfère mettre, comme je cite une des phrases que j'ai écrites, « Mon passé est devant moi. Hein. » Donc il va se refaire un passé avec son futur avenir, son avenir. Parce que l'avenir, c'est plus le futur. J'aime bien demander de temps en temps aux auteurs quelle est leur méthode d'écriture. Parce que c'est vrai que vous êtes assez... pointu quand même dans certains détails. Bon, polar oblige peut-être, il y a des éléments importants qui doivent être précisés dans le cadre des enquêtes qui sont menées, enfin des indices, etc. Vous écrivez comment? De manière méthodique, comme ça, posé, tous les jours, oui, vous astreignez à un certain nombre d'heures ou bien c'est... Tous les après-midi, mais ça dépend du temps que je mets. Hein. Mais j'essaye de soigner l'écriture, alors évidemment, j'appelle ça ma musique. Tant que j'ai pas ma musique, eh ben... Je pars, puis je recommence. Hein. Il faut qu'il y ait ma musique. Hein. Il faut que ça coule, ça soit très bien. Hein. J'écris à la main, et puis après, je retape à l'ordinateur. Hein. Alors vous avez trouvé le bon filon, finalement, passer une vie à former de futurs lecteurs pour ensuite leur écrire. Eh bien, en ce moment, oui, ça serait très bien. Hein, que tout le monde lise, beaucoup. Je rappelle encore une fois les titres de vos ouvrages, Une ville sous influence, c'est paru quand? L'an dernier, en 2012, c'était 2011, hein, ouais. Chez Territoires Témoins, ouais. Et puis Mortel dessin, dont on ne vous en dira pas plus, hein, il faut quand même préserver l'intrigue, avec une jolie couverture. Alors moi, ça m'a toujours inquiété, les clowns, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, oulala, on va quand même l'ouvrir. J'ai toujours trouvé ça très inquiétant, les clowns, et particulièrement le vôtre. Merci à vous, j'espère qu'on se retrouvera pour le prochain livre en cours d'écriture actuellement. D'accord. Et vous nous promettez donc quelque chose de complètement différent. On oublie votre héros cette fois, on oublie le polar. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci à vous.